C'est un réel plaisir de vous informer sur EAD TV. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Ouvrons ce journal avec cet élément. Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a reçu en audience le 1er août le représentant du Programme alimentaire mondial au Congo. Ces deux personnalités ont tablé sur les questions liées aux cantines scolaires. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage de Loïc Kwamba. Les cantines scolaires étaient au cœur de cet échange entre Jean-Luc Montou et le représentant du PAM au Congo. Cette politique d'alimentation scolaire vise à améliorer le rendement scolaire et environ 100 000 apprenants sont couverts par ce programme. Avec Monsieur le ministre de l'Éducation, ça a été vraiment un rencontre productif. Il faut qu'on passe par une cantine scolaire qui est dépendante de la nourriture qui vient dans le pays, d'utiliser la nourriture d'ici. Et là aussi, il a accepté que à partir de 2026, on va aller à un projet là où un parti de cantine scolaire, on va commencer avec 15 écoles qui doivent être gérées directement par le ministère de l'Éducation. Et là, le PAM va travailler avec eux, de donner tout l'appui technique. Et là, éventuellement, en fur et à mesure, on va augmenter l'engagement direct de l'État de gérer sa cantine scolaire. Cet entretien intervient dans un contexte où le Congo s'apprête à assurer la gestion des cantines scolaires avec l'accompagnement du Programme alimentaire mondial. L'agence onusienne entend procéder au transfert des compétences. Bien avant cette rencontre, le ministre Jean-Luc Montou a procédé au lancement du concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda et d'Oyo, un concours qui vise à sélectionner les meilleurs élèves admis au certificat d'études primaires élémentaires CEP pour intégrer ces établissements de l'enseignement général. Magali Nanga pour ce reportage. Ils sont prêts à affronter les épreuves de ce concours qui donne accès au lycée d'excellence. Pourtant, le stress et la détermination se côtoient. Et tous ont un seul objectif, réussir à ce concours. Je ne sais pas si ce que j'ai travaillé, c'est ce qui va venir. Et puis, j'ai beaucoup travaillé, donc je m'attends vraiment à ce que ça marche. Voilà pourquoi je me sens un peu stressée. Au lycée d'excellence, je pourrais étudier pour que j'aie un avenir plus meilleur. Je veux devenir avocate. Je veux défendre les innocents. Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a souligné l'importance de ce concours pour l'éducation et la formation des jeunes. Mettre dans ces entités les meilleurs élèves de notre pays et promouvoir d'ailleurs le brassage entre les communautés nationales et permettre ainsi d'extirper de ce lot la meilleure expertise possible, les meilleurs jeunes possibles, susceptibles demain de contribuer au développement de notre pays. Et pour le gouvernement, c'est un pari qu'il faut relever. Je voudrais vous rappeler ici que ce sont des établissements qui ont été voulus par Son Excellence Monsieur le Président de la République lui-même et qui nous garantit les conditions les meilleures d'encadrement, de prise en charge, d'éducation de ses enfants dans ces lycées d'excellence. Je n'en veux pour meilleure preuve que les bons résultats affichés au cours de ces dernières années, au baccalauréat dernier, ces lycées ont fait 100% résultat, ce qui peut dénoter évidemment de ce que le projet cher à Son Excellence Monsieur le Président de la République est en marche et il ne nous reste plus qu'à le pérenniser. Les candidats ont abordé les mathématiques, dictées questions, expressions écrites. Ils sont au total 397 candidats pour 120 postes, soit 60 places pour le lycée d'excellence de Mbunda et 60 pour le lycée d'Oyo. Il s'est tenu le 3 août dernier dans la ville capitale l'installation du bureau fédéral des papas de l'arrondissement 6 Talanga. Cette initiative a pour objectif créer des fédérations dans tous les arrondissements de Brazzaville dans le but de promouvoir une collaboration saine entre la population et le gouvernement afin d'éradiquer la délinquance au Congo. Loïc Kwamba pour ce reportage. Ils sont pères de famille, habitants du 6e arrondissement Talangaï. Réunis par le collectif des papas du Congo, avec les chefs des quartiers, ils ont abordé les questions qui minent leur entité administrative. Le collectif va servir de plateforme capable de fournir des informations aux autorités alors qu'elles s'orientent vers la création des fédérations des papas
dans chaque arrondissement. Il ne s'agit pas d'une question d'honneur, mais il s'agit d'une question d'éthique. Lorsque nos parents nous ont éduqués, on a grandi, les machettes existaient, les couteaux de table existaient, rien de nouveau là. Mais d'où vient-il que les enfants que vous et nous mettons au monde se servent de ces instruments-là pour nous traumatiser, nous qui sommes leurs parents? Nous ne sommes pas d'accord. Déjà là, nous saluons la dextérité du nouveau commandement de police. Nous devons avancer. Nous sommes contre personne. Le chef de l'État lui-même dit que non. Tout est donné par le bout de l'effort. Sans l'effort, sans le sacrifice, on ne peut pas atteindre l'objectif. Et cet objectif que nous avons commencé à prendre, cet élan-là, on doit le viser aussi loin. Et on doit atteindre et arriver aussi à cela. Et comme si on dit, le collectif des papas du Congo est là pour prôner la paix, la tolérance, l'humilité et la solidarité. Donc, nous sommes ici, on est ensemble. Aujourd'hui, c'est le bureau fédéral de Talangaï. Demain, ça sera aussi de Wendé, comme les 9 arrondissements. Manque d'emploi, décrochage, difficultés d'insertion professionnelle, des mots qui sont souvent pointés par les jeunes. Les parents, eux, sont conscients de leurs responsabilités dans la délinquance juvénile. La mission principale est celle d'éduquer l'enfant. Parce que, quel que soit le comportement d'un enfant mauvais, mais le papa n'a aucun droit de le laisser dévorer par un lion. Voilà l'ensemble des parents. Ont comme le devoir d'éduquer l'enfant. Parce que l'enfant d'aujourd'hui se retrouve dans la dépravation des mœurs. Il nous faut les enfants éduqués pour que le Congo retrouve ses premiers pas. Avant de trouver le travail, il faut être d'abord éduqué. Si on n'est pas éduqué, mais comment être bon dans le travail? Vous voyez, rassembler les parents, rassembler les jeunes, la jeunesse. Au fur et à mesure, on procède à l'éducation pour que l'enfant prenne à main sa vie saine. Après le 6e arrondissement, le collectif lorne d'autres arrondissements de Brazzaville. Bouclons cette édition avec cette information. Comment s'orienter après l'obtention du baccalauréat? Cette question a préoccupé les jeunes leaders pour le développement du Congo. Pour cela, ils ont organisé le 3 août dernier une conférence sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Objectif, fournir autant d'informations afin de leur faciliter la tâche dans le choix des universités et la connaissance des différents métiers. Welcome Devolo signe ce reportage. L'atelier a permis d'aborder des sujets liés au choix de formation, les opportunités de carrière et les exigences des différents parcours. L'objectif est d'aider les nouveaux bacheliers à opérer des choix pour leur parcours universitaire et professionnel. Quand on a obtenu un baccalauréat, les parents et les élèves sont préoccupés par les études universitaires des enfants. Et nous venons pour apporter une solution. Ça veut dire qu'on vient pour orienter ces enfants-là. Donc les parents peuvent nous contacter par le réseau des leaders et des associations des universitaires du Congo pour qu'on accompagne leurs enfants à la réussite, pour éviter que les enfants puissent mal choisir les filières et connaître plusieurs échecs à l'université, pour autant dire même échouer dans leur vie. Des moments d'échange et parfois des petits débats avec les professionnels, mais qui au fond ont marqué les nouveaux bacheliers. Je suis content d'abord. Parce que il y a de cela un moment, j'ai obtenu mon bac, mais je ne savais pas quoi faire et j'étais un peu désorienté. Cet atelier me permet tout d'abord d'avoir des informations plus précises sur des branches ainsi que des domaines précis sur lesquels je peux étudier et apprendre. Et cela me permet aussi d'avoir plus d'informations précises sur ce que je peux faire peut-être plus tard. Pour beaucoup d'étudiants, l'atelier a apporté une meilleure connaissance sur l'univers universitaire et professionnel. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Collaboration rédactionnelle Loïc Kwamba, derrière les caméras Reda Chipo, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.